Sound Factory Studio. Non, c'est... Puis, qu'ils fassent comme ça. Que ces militants répondent à l'appel. Mais ils voulaient que ce déclic qui est fait pour appeler ces militants soit pour poser des actes qui ne portent pas atteinte à l'intégrité physique et morale et au bien des Congolais. Quelle que soit leur différenciation politique, on va en discuter tout à l'heure, c'est l'objectif. Le deuxième volet de la mission, c'est de dire des crimes ont été commis, d'une violence rare. J'ai compétence encore sur la CPI, sur la République démocratique du Congo. Mais l'article 17 dit ceci. La Cour est une Cour de deuxième ressort. Je ne suis compétent que si les justices nationales n'ont pas la capacité ou n'ont pas la volonté de poursuivre de manière impartiale et de manière indépendante ce qui s'est passé le 19 et 20. Donc, allez dire au PG, au procureur militaire, que je veux que ce qui s'est passé, les auteurs, quelle que soit leur affiliation politique, et leur responsabilité soient identifiés et poursuivis. C'est le message que nous avons passé sans, c'est-à-dire sans état d'âme, au gouvernement, ministre de l'Intérieur, ministre de la Défense que nous avons rencontré, ministre de la Justice, ministre de la Communication, ministre de la Jeunesse, procureur général et procureur militaire. La compétence que nous avons dans ce pays et l'article 17 nous impose de continuer à évaluer à tout temps et à tout moment avec ceux qui ont la compétence d'enquêter et de juger qu'est-ce qu'ils ont fait de vos plaintes, qu'est-ce qu'ils ont fait des crimes pour lesquels ils ont une autorité légitime pour poursuivre. Donc nous avons interagi avec eux, interaction qui a beaucoup duré. On a eu des mises à jour sur des poursuites qui ont été faites pour la grande ligne, sur des relaxes qui ont été effectuées, mais de l'autre côté. Ils ne sont pas dupes. Et nous avons demandé, certains d'entre vous, par le biais de vos avocats, ont porté plainte, nous les avons vus, et nous avons dit, nous allons revenir et nous voulons des mises à jour régulières pour nous assurer que la justice sera faite, quel que soit l'auteur des crimes. Alors, c'est pourquoi le procureur me demande simplement de rappeler à votre haute responsabilité, à votre conscience personnelle, que nous avons une jurisprudence établie, malheureusement ça tombe encore sur un Congolais, l'affaire Bemba, et Bemba elle n'était pas en Centrafrique. Ce n'est pas le fait de commettre l'acte lui-même matériellement qui peut engager la responsabilité. C'est le fait de l'encourager, de l'inciter, de le financer, de l'organiser, de le planifier. La Cour est très claire, c'est là le statut de Rome, mais aussi dans des affaires célèbres, on a posé et la chambre d'appel a confirmé ce principe. Pour dire, on peut ne pas être dans ces liens de commission du crime, on peut ne pas être présent, on peut ne pas brûler cet agent de police, violer cette fille et tuer, et saccager les biens des partis d'opposition qui sont dans le bloc, qui ne sont pas dans le dialogue, atteindre à leur biais et tuer des personnes, on peut ne pas être là-bas. Mais vous, le pouvoir que vous avez à dire non, n'utilisez pas des armes, n'utilisez pas des armes qui tuent, le fait de n'avoir pas arrêté ou d'avoir contribué à ce crime par le silence, par l'inaction, a fortiori en galvanisant des foules, vous met dans le cadre de la responsabilité du statut de Rome. Alors donc, nous avons dit au procureur général, nous avons vu ces plaintes que vous avez déposées, pour certaines par le biais de vos avocats. Pour d'autres, c'est spontané, ce n'est même pas nécessaire qu'il y ait des avocats. C'est de faire la lumière sur ce qui s'est passé. Alors, de tout bord, nous voulons des responsables. Et l'article 17 vous impose de juger vite et bien, de manière indépendante et impartiale.
Nous ne sommes pas une mission d'évaluation, une mission d'enquête, la preuve. On n'a pris aucun document. On a entendu ça. Au niveau de la CBI, il y a une équipe intégrée, de véritables professionnels de l'enquête, et des substituts qui, en temps réel, vérifient, continuent à procéder à l'évaluation. Et nous, en temps réel, nous allons revenir pour nous assurer que ces poursuites ont donné naissance à ces enquêtes, à de véritables poursuites. Conformément à l'article 17, que le collègue peut vous lire, on dit, l'article 17 dit, ce n'est qu'en cas d'incapacité ou d'absence de volonté que la Cour pénale prend une affaire. Parce qu'elle n'est recevable devant le juge que si nous justifions l'incapacité des juges à poursuivre ou de l'absence de volonté. L'incapacité est définie, l'absence de volonté est définie. Voilà ce qui nous a amené le deuxième volet de la mission. Alors, en somme, c'est vous inviter, chacun en son sein, en tant qu'acteur politique, c'est votre droit de concourir au suffrage universel, que ce soit local, que ce soit législatif, que ce soit présidentiel, chaque Congolais a le droit. Mais ce que Fatou veut qu'on réitère, c'est avoir ce droit, impliqué ou non dans une négociation dont on est libre, parce que c'est nous, notre devoir, c'est pas de juger ni la substance de l'accord. Je dis au pouvoir. On n'est pas là pour valider quoi que ce soit. On n'est pas impliqué dans une négociation politique. On ne va dire absolument rien sur l'entraînement de cet accord. On ne va pas, on n'est là pas non plus pour valider un calendrier électoral. La Cour pénale est une institution judiciaire. Son mandat est judiciaire. C'est à vous, acteurs politiques congolais, de voir où se trouve l'intérêt du Congo et de vous accorder. Voilà. Si je peux m'arrêter là. Je puisse pas rapporter à Mme Bensouda que. Et on a réfléchi sur des mesures du futur. Simplement. Donc, nous tenons sincèrement à vous remercier. Vous savez, c'est comme vous l'avez si bien dit. Il y a tellement de choses, il y a tellement de problèmes dans notre pays, d'ordre de violation des droits de l'homme, qu'on ne se mettra pas ici, vous n'aurez ni le temps, ni le moment pour faire cela. Mais il est d'autant plus vrai que ça nous va droit au cœur de voir que, en fait, madame s'intéresse du problème de notre pays, qui sont des problèmes fondamentaux. Et c'est bien dommage que vous n'avez pas le temps. Parce qu'on aurait bien voulu, parce qu'entre dire ce qu'on vous dit et ce que vous voyez, il y a deux choses. On aurait bien voulu. Même pour une minute, que vous visitiez les endroits des crimes. Ça va vous donner tout à fait une autre idée. Quel type d'outil qui a été utilisé pour détruire cela, pour arriver à tuer. Est-ce que c'est arme blanche? Est-ce que c'est arme de guerre? Et c'est cette arme de guerre, elle est conventionnelle ou non conventionnelle? Donc, moi, je crois que ça, ça aurait réconforté notre peuple et ça aurait beaucoup aidé, et du côté du régime et du côté de l'opposition. Nous, nous faisons totalement confiance à Madame Fatou. Nous la faisons totalement confiance. Et le problème de notre pays, le problème est majeur. C'est la violation des droits de l'homme. La majorité des gens qui sont dans l'opposition, derrière Étienne Tshisekedi, ont fait pratiquement toute leur vie pour que ce pays soit un pays d'état de droit. Parce qu'on ne peut pas parler de la démocratie sans l'état de droit. On ne peut pas parler de la démocratie sans connaître le droit de l'autre. C'est l'assemblage de tout ça qu'on parle de la démocratie. Nous, notre souhait, quel que soit les temps que vous êtes ici, votre emploi du temps auquel nous savons tous que c'est fatigué en chargé, mais même la nuit ou la journée, juste pour une minute, que vous viviez vous-même. On ne donne aucun document comme vous venez de nous conseiller, parce qu'on n'est pas des enfants, on est des politiciens professionnels, contrairement à ce que les régimes courants, ils ne savent pas nos bureaux là, ce qui est placé là-dedans, quels sont les éléments de preuve qu'on a. Et on vous versera tout ça au moment opportun. Mais nous, ce que nous voulons, c'est qu'il y ait justice. La démocratie est établie dans notre constitution. Les règles des jeux sont établies là-dedans.
on ne voudrait pas, ni nous de l'opposition, ni ceux qui sont au pouvoir, viennent créer les règles des jeux pendant le jeu. Parce que ça a été fait avant. Je vais laisser la parole, avec votre autorisation, à un autre collègue qui voudrait aussi faire son exposé. Vous rassurez, juste vous rassurer que depuis là, sans même qu'on vienne, les communications et des éléments de renseignement ne sont pas venus. Ces cours n'est pas dû. Les deux du procureur ne sont pas venus. Je peux vous rassurer que pour le moment, ce qu'on vous demande simplement, c'est que les éléments de preuve que vous constituez de bons dossiers, parce que vous avez été parmi vous, on connaît aussi, vous avez de grands politiciens et de grands juristes qui savent monter les dossiers. Ces dossiers doivent être bien montés et portés par avocat ou par devant le procureur. Gardez copie pour envoyer à la CPI. Mais le premier débat, le premier rôle, la première fonction, c'est pour respecter l'article 17, c'est de vous battre au niveau local. Mais nous sommes, même si vous continuez à interagir avec le procureur militaire et le procureur civil, en même temps, nous, cela ne nous arrête pas. C'est-à-dire le recueil d'informations, d'éléments de preuve, continue malgré la saisine de ces alliés. C'est juste pour vous dire que la bataille judiciaire se situe au niveau local. Que vous ayez confiance ou pas à la justice. J'ajuste ça. Vous pouvez nous pas manquer, vous pouvez manquer de confiance, pensant qu'elle sera violée, biaisée cette enquête. Mais allez-y, c'est votre droit d'y aller d'abord avec vos éléments, jusqu'à ce qu'on vous déboute et qu'on vous montre qu'il y a déni de justice. C'est ça l'article 17. Boum Lakabo, secrétaire général de l'UDDS. Vous avez parlé de l'article 17 et vous nous avez dit que vous avez rencontré aussi le gouvernement. Tout petit peu, pour comprendre que le rassemblement n'a aucune responsabilité à porter par rapport aux événements du 19 et du 20. Un meeting populaire, un meeting qui avait réuni... ...voyable à voir, parce que de notre permanence, ils ont d'abord meeting. Ces gens sont rentrés chez eux correctement son rôle, et finalement, j'ai... La retenue, le calme et la réserve. Franchement, si vous avez... Ou le pouvoir qui dit, c'est le gouvernement qui est responsable. La CPI, c'est une responsabilité individuelle. Celui qui a tué, a incité à tuer, a financé à tuer, a organisé à tuer, a planifié à tuer. Le texte est clair et c'est confirmé. Alors donc, nous sommes d'accord sur ça. Alors, nous devons dire, là, et puis ensuite, je vous dis, que nous, notre devoir, c'est pas à ce stade de dire que la justice ne va pas faire son travail. Les magistrats qui nous ont reçus nous connaissent d'abord personnellement du point de vue de la responsabilité et l'indépendance d'esprit. Ce qu'on a dit entre eux, c'est un langage de Mme Bensouda et les dispositions de l'article 17. Et donc, je vous demande simplement à continuer à documenter vos positions auprès d'eux. S'ils ne répondent pas, vous avez de très bons avocats ici, de très bons juristes dans cette coalition, allez porter pour dire depuis qu'on a déposé, rien n'est fait, avec des traces. On vous a donné le nom de tel, vous ne l'avez pas entendu, ou vous l'avez mal entendu, ou vous ne l'avez pas encore entendu. Ils ont des critères de compétence et dont la seule obligation c'est de devoir le respect de l'intégrité du statut de Rome. Est-ce que le bureau du procureur a respecté le séquençage de l'appréciation des enquêtes nationales? C'est quoi? Premier contact avec le PRG et le père militaire. Nous, on a reçu le ping-pong. C'est devant les commissariats. Preuve. Nous, c'est devant les deux auditeurs en charge de Kinshasa. On voit, c'est pas seulement d'écouter. Après, qu'est-ce que va suivre? Ils vont mener des vraies enquêtes. Les auteurs seront identifiés, donc rendez-vous dans quelques temps. Nous vous dirons et nous aurons cette même réunion pour voir l'évolution. Est-ce que vous avez raison dès l'entame que le préjugé de déni de justice, comme vous le dites, s'est confirmé, ou est-ce que des vrais responsables, parce que le texte dit des poursuites véritables, c'est-à-dire si vous avez ouvert une enquête
vous êtes des spécialistes, vous allez voir que tous nos combattants, là, c'est un échantillon de ceux qui sont morts. Les photos sont soit, on a tiré soit par la tête. Oui, alors, premièrement, cette délégation est venue s'enquérir des événements du 19 et du 20 septembre. Nous avons eu à démontrer, carte sur table, que le pouvoir de M. Kabila est responsable de tout ce qui est arrivé le 19 et le 20. Contrairement à tout ce qu'ils sont en train de raconter, les livres blancs qu'ils ont mis en place, la CPI a été édifiée par nos interventions et s'est établi que le gouvernement doit répondre de tout ce qui s'est passé le 19 parce qu'ils ont tué, ils ont envoyé les militaires, tué les manifestants qui n'avaient rien de manifestants pacifiques. Aujourd'hui, nous, tout ce que nous pouvons demander à la CPI, c'est de ramener tout ce que nous avons dit auprès de Madame le procureur et prochainement initier des enquêtes contre le pouvoir de Kinshasa. Et nous serons très heureux d'apprendre que certaines des personnes ciblées dans nos plaintes répondent et répondra bel et bien de tout ce qu'ils ont fait dans notre pays. Tout de suite, dites qu'il n'est pas question. Le mot retenu, c'est un mot diplomatique, madame. Ici, nous ne sommes pas dans la diplomatie. Nous sommes devant, là, nous sommes dans la politique. Nous sommes là devant des textes. Nous pensons que le seul moyen de faire cesser les fusions de sang, c'est le respect des textes. Des textes nationaux et internationaux. Parce que l'opposition aujourd'hui est en face de violations des textes. Donc notre constitution, et en tant qu'un peuple, nous avons le devoir de défendre notre constitution, de défendre nos droits. Et ce n'est pas à nous qu'on doit demander les retenues, c'est plutôt au pouvoir de Kinshasa qui doit avoir du retenu, laisser la démocratie s'exprimer, laisser le droit de l'homme être promu. C'est simple. Merci. Les alliés du président Étienne Tshisekedi. La coalition des alliés du président Étienne Tshisekedi tient à féliciter M. Étienne Tshisekedi, leur autorité morale, pour avoir pensé à l'idée géniale, celle d'adresser une carte jaune à M. Joseph Kabila, président de la République qui termine son deuxième et dernier mandat le 19 décembre 2016 à minuit. La coalition des alliés du président Étienne Tshisekedi dit merci au peuple congolais pour avoir rejeté catégoriquement les résolutions du monologue de la majorité alliée tenue au camp militaire Tchatchi en adhérant massivement à l'option de la journée ville morte. 2. La coalition des alliés du président Étienne Tshisekedi dit merci au peuple congolais pour avoir rejeté sans équivoque l'arrêt inexistant de la Cour constitutionnelle rendu en violation flagrante de la Constitution. Le peuple congolais est très reconnaissant à l'endroit des quatre hauts magistrats de la Cour constitutionnelle qui ont refusé de violer l'article 90 de la loi portant fonctionnement et organisation de la Cour constitutionnelle. 3. La coalition des alliés du président Étienne Tshisekedi dit merci au peuple congolais pour avoir prouvé qu'il a atteint une grande maturité politique en répondant positivement à l'appel de la ville morte lancé par l'icône de la classe politique congolaise, le docteur Étienne Tshisekedi. 4. La coalition des alliés du président Étienne Tshisekedi dit merci au peuple congolais pour avoir prouvé que les monologues de la majorité alliée est pire que les concertations de triste mémoire, car il est un non-événement et il n'engage en rien la population congolaise. 5. La coalition des alliés du président Étienne Tshisekedi dit merci au peuple congolais pour avoir prouvé la différence entre l'accord global de Saint-City et les monologues de la majorité alliée du camp militaire Tchatchi. Ceci se manifeste par le fait qu'après la clôture du dialogue de Saint-City, on a vu l'alliance populaire, tandis que les monologues de la majorité présidentielle et alliée s'est soldé par une vraie ville morte. 6. La coalition des alliés du président Étienne Tshisekedi a prouvé que le rassemblement est pacifique et non violent et condamne le fait que les centaines de personnes vêtues en jaune ont été brutalisées par la police
et arrêter aussi. Nous demandons les libérations immédiates. 7. La coalition des alliés du président Étienne Tshisekedi demande au peuple de rester mobilisé et prêt à répondre positivement aux actions pacifiques futures et remercie la communauté internationale pour leur soutien au respect de la Constitution. 8. La coalition des alliés du président Étienne Tshisekedi en appelle à la tenue d'un vrai dialogue selon la résolution 2277 telle que défendue par le président Étienne Tshisekedi. Ce dialogue nous mettra ensemble avec un vrai facilitateur, les tenants du monologue de la majorité présidentielle et alliée tenu au camp Tchatchi et ceux du conclave du rassemblement tenu à Limité, afin que les gagnants soient les peuples congolais. Nous avons dit et nous vous remercions. Home Factory Studio. Hi.